Alors tout d'abord, merci à tous pour votre présence à ce Zoom de ce matin consacré à l'ISR et la Public Value. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Couloudon et Maria Del Peso, qui sont cofondatrices de l'ONG Your Public Value, dont elles vont nous parler dans un instant. Je suis vraiment ravie parce que la première fois que j'avais rencontré Virginie et qu'elle avait parlé de Your Public Value, c'était il y a plus de 3 ans maintenant à Vienne lors du Drucker Forum for Management. Et c'était le début de l'aventure qui, depuis, a rassemblé des centaines de personnes engagées et enthousiastes sur l'ISR et sur la responsabilité des entreprises. Et elle publie maintenant les Public Value Principles et donc et en particulier un manifeste sur le bien commun et le profit qui est très intéressant et qui rentre complètement, je pense, dans notre approche de la satisfaction client et de l'ISR. Eh bien, je suis donc ravie de vous accueillir et Virginie, je vais te laisser présenter qui est Your Public Value, ce qu'est la valeur publique et surtout ce que sont les Public Value Principles que vous avez co-créés avec tous ces spécialistes de la responsabilité d'entreprise et ces enthousiastes qui veulent un peu changer de monde. Merci Claire. Merci à vous tous pour votre intérêt. Merci à Claire et un grand merci à Trust Team parce que effectivement, depuis cette fameuse rencontre il y a 3 ans, Trust Team nous a suivis et Claire Berthier en particulier, je veux dire, et nous a donné beaucoup de sa sagesse et de son expérience en matière d'ISR. Donc, je crois que nous avons grandi dans ce domaine également grâce à Trust Team. C'est un grand merci. Je vais aller un petit peu plus vite. D'abord, nous allons faire cette présentation à deux avec Maria Del Peso pour plusieurs raisons. Maria et moi avons été totalement engagés au même niveau. Je m'appelle Virginie Couloudon, je suis la directrice exécutive de Your Public Value et je porte le projet. Maria va se présenter dans un instant. D'ailleurs, Maria, veux-tu te présenter maintenant? Je ne vois pas tout le monde, mais. Oui, merci Virginie, merci Claire et merci à toute l'équipe de Trust Team de nous accueillir. Donc moi, je suis cofondatrice avec Virginie de l'ONG. Je suis aujourd'hui vice-présidente du conseil de surveillance et consultante par ailleurs en leadership et engagement. Alors, nous faisons cette présentation à deux voix, comme ça, nous espérons que. Vous ne vous ennuierez pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est notre ONG et pourquoi avons-nous créé cette organisation? Elle a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, ça dépend quelle date vous gardez en mémoire, la date officielle d'enregistrement ou le premier meeting. Nous étions 20, 12 co-créateurs et 20 au départ. Avec des experts en bonne gouvernance, des experts en durabilité dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air, dans le domaine de la diversité. Et chacun apportait son approche. Et nous avons nous-mêmes, en fait, adopté une approche multipartie prenante. Il y a à peu près 40% d'entre nous qui venons du secteur privé, comme Maria, de grandes entreprises. Mondiale, 40% d'entre nous qui viennent du secteur de la société civile, c'est mon cas, avec des postes à haute responsabilité dans des ONG mondiales, et à peu près 20% qui continuent de travailler dans des organisations multilatérales ou qui sont même engagés en politique. C'était un moment important. On voulait être multipartie prenante et tout ce que nous faisons est le fruit d'une co-création avec des gens que nous invitons. Donc, vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez participer à cette co-création. Nous évitons le principal moteur des ONG qui est le blame and shame, c'est-à-dire pointer du doigt. Pour l'instant, nous ne voulons que des exemples positifs et de la co-création. Et nous souhaitons également mettre en valeur
les obstacles que rencontrent beaucoup d'entreprises dans la responsabilité d'entreprise, les difficultés que rencontre le secteur privé à se transformer, mais ensemble, pour montrer quels sont les obstacles, quelles peuvent être les feuilles de route et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc, nous avons entendu la fatigue du public vis-à-vis des ONG et nous cherchons à créer une ONG d'un autre genre. Ça, c'est pour nous. On peut aller à la prochaine slide. Alors, quand on parle justement d'ONG, de nouveaux genres, comme le disait Virginie à l'instant, nous, le parti pris et l'ADN de notre ONG, c'est de vraiment créer un pont entre la société civile et le business, en fait, le monde des affaires. On est parti de cet état le constat de la défiance générale vis-à-vis des élites, notamment politiques, institutionnelles et vis-à-vis des entreprises. Et ce que nous voulons, c'est rassembler autour de la notion de public value, de valeur commune, à la fois des acteurs économiques, financiers, d'où la présence ultra légitime de Trust in Finance, et la société civile. Et cette réflexion, nous l'avons menée aussi en creusant des concepts économiques. Alors, on est allé chercher le concept de public value qui, voilà, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il existe depuis 25 ans. Il a été développé par le professeur Mark Moore de la Harvard Kennedy School, à l'origine appliqué aux agents publics, aux acteurs du service public, pour leur faire prendre conscience que leurs décisions avaient une portée large et plus que politique électoraliste, elle impactait la société au sens large. Ce concept a été développé en parallèle pour justement s'aligner avec la notion ou être cohérent avec la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Et nous, ce qu'on trouve intéressant dans cette notion de valeur, c'est qu'elle reflète bien aussi les évolutions les définitions et les prises de conscience de différents acteurs économiques sur le sujet. Je m'explique. Il y a 25 ans, on parlait dans le monde des entreprises, en tout cas, on parlait de valeurs, mais de valeurs actionnariales. Et c'était la théorie de Milton Friedman, le capitalisme et les entreprises sont là pour créer de la valeur pour les actionnaires. Et de petit à petit, on a bien vu que la prise en compte de l'environnement, de la société, venait faire partie de la vie de l'entreprise. D'abord, de manière un peu connexe et maintenant de plus en plus à l'intérieur du business model. Et quand on écoute le président de Davos, Klaus Schwab, parler de valeurs des parties prenantes, de capitalisme des parties prenantes, nous on dit qu'on va plus loin, on veut de la valeur qui soit donc commune, c'est-à-dire qu'elle soit créée par tous de manière volontariste par les entreprises, et qu'elle soit donc bénéfique à la fois pour la société, pour nous tous et pour chaque individu, la société et l'environnement étant des parties prenantes à part entière dans cette approche. Donc voilà, c'est pour nous une notion intéressante parce qu'elle nous paraît vraiment répondre à la demande pressante de la société civile d'un nouveau partage de la valeur et pas seulement du bien commun, c'est la création de valeur et on veut remettre l'entreprise dans ce dispositif pour qu'elle soit contributrice de cette valeur. Voilà. Merci. Je te repasse la parole, Virginie, peut-être pour parler de la prochaine que nous avons slide. Donc, merci. Donc, nous avons co-créé 9 principes de valeur commune. Je vais aller très vite ici. En fait, comment avons-nous procédé? On a commencé par faire ce qu'on appelait des labs, qui sont des séminaires avec une vingtaine de personnes. Pas trop de monde. Tout le monde doit avoir de l'espace pour s'exprimer et pour apporter son point de vue, mais surtout le point de vue du secteur qu'il ou qu'elle représente. Donc, il y a eu 3 labs à Berlin, Londres et Zurich. Et puis, nous avons été touchés également, comme nous tous, par la COVID. Et donc, nous sommes passés à l'organisation de labs digitaux qui fonctionnent très bien et qui sont maintenant tout à fait notre modus operandi. Donc,
les 124 experts qui ont co-créé ces principes, dont Claire Berthier, qui sont-ils? Donc les 123 autres proviennent du secteur privé, 49%, 17% représentent le monde de la finance responsable, 27% sont de hauts responsables de la société civile, des ONG, par exemple nous avons la présidente de Transparency International qui nous a suivis, et qui vient très fréquemment. Nous avons l'ancien créateur et dean de IACA, l'Académie anticorruption qui était à Vienne. Nous avions des personnes anciennement dans le comité exécutif de Greenpeace, des personnes qui sont à des postes ou qui ont été à des postes de responsabilité. 7% sont des hauts responsables d'institutions publiques. J'insiste, Maria l'a dit, mais j'insiste que ce qui est important dans le concept de valeur commune, c'est que la société dans son ensemble, le public et l'environnement sont considérés comme des parties prenantes actives. Donc, l'environnement, vous allez me dire qui est-ce qui le représente. Je crois que nous tous, en tant que citoyens, sommes capables d'avoir une voix pour l'environnement qui nous entoure. Donc, cette approche multipartie prenante, elle est importante, mais ce n'est pas une sorte de tea time où chacun vient et s'amuse et dit ce qu'il veut, en fait. Hein, et c'est assez structuré. Les personnes que nous invitons représentent des secteurs et doivent parler au nom de leur secteur, doivent être un peu honnêtes, et nous fonctionnons par tranche de réflexion. Donc, en réalité, pour parvenir à ces principes, nous avons eu trois phases qui étaient très, très importantes. La première, chacun s'exprimait un peu librement, et lorsque nous sommes arrivés à 76 principes et que nous sommes arrivés à un point où les arguments se répétaient, nous sommes passés à la seconde phase qui était de transformer ces 76 principes en 15 et de voir ce qui était important et comment on pouvait travailler ensemble. Et puis, une dernière phase nous a permis de passer des 15 principes aux 9 et nous passons d'une phase à l'autre, comme je viens de le dire, lorsque les arguments se répètent. Alors, si vous m'autorisez, je tiens quand même à remercier nos donateurs pour que vous sachiez que c'était quand même une initiative qui a été soutenue. Nos principaux donateurs sont EY, notamment EY Allemagne, mais EY Suisse nous a accueillis à Zurich et c'est un des quatre des Big Four qui en fait ont depuis le début travaillé sur la valeur commune comme outil de réflexion. Nous avons travaillé avec Vattenfall en Allemagne et Multiplex à Londres et puis nous avons également participé à un séminaire de Trust Team en septembre dernier et pour notre soutien financier, une entreprise chinoise qui s'appelle Thai Living et dont on peut parler, pas de l'entreprise, mais de la Chine et de l'intérêt de la Chine dans la durabilité. Claire, la prochaine slide. Peut-être, Virginie, je pense que ce serait intéressant pour notre public ici de faire un petit focus sur pourquoi créer encore quelque chose. Parce que quand on est dans le monde de l'ISR, on voit arriver plein de standards, on voit qu'il y a de la régulation aussi qui arrive de tous les côtés, avec la taxonomie, avec SFRD, on voit SASB qui, et aussi donc les Big Four qui se concentrent sur mettre en place des KPI dans l'ESG toujours plus précis. Donc on voit plein de choses arriver de tous les côtés. Pourquoi vouloir encore créer quelque chose de nouveau? Oui, je te remercie, c'est important et je tiens à dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Il ne s'agit pas de KPI, ce sont des principes. Alors, les principes sont complètement différents des indicateurs de performance. Ils nous guident, ils nous donnent une direction, ils nous encadrent. Et ces principes-là ont été créés, puisqu'ils n'existaient pas, mais sur la base
de KPIs qui en fait existaient. C'est pour ça qu'on invite des experts, parce qu'eux ont complètement intégré les KPIs qui existent, ils connaissent absolument par cœur tous les KPIs de chacun des ODD, et vous le savez peut-être, ils sont extrêmement nombreux ces KPIs, parce que lorsque j'étais à Transparency International, on a participé à la création des KPIs de l'objectif 16.5, et il y en avait une dizaine. Donc, ça nous a vraiment tenu très occupés pendant bien 9 mois. Donc, là, il n'est pas question de rajouter quoi que ce soit, et chaque agence de notation a son propre encadrement, sa propre approche. Non, les entreprises, avec les principes que nous allons présenter, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus vite, les entreprises ont tout à fait la liberté de choisir ce qui leur convient, et nous travaillons maintenant sur une auto-évaluation. Il n'est pas question de pointer du doigt et de dire non, c'est pas bien ce que vous faites, vous n'êtes pas arrivé à ce minimum de KPI en matière de carbone, en matière, etc. Mais vous allez voir, c'est une façon en fait d'arriver à la mise en place des ODD. Je crois que si les principes sont adoptés de manière honnête, intègre, en comprenant les difficultés, en comprenant les obstacles, ce qu'il faut faire, et je dirais l'impact négatif de notre entreprise dans un certain domaine, même si on ne va pas le dire, ce n'est pas un outil de communication, hein, donc même si on ne va pas aller dire quel est l'impact négatif de notre entreprise sur tel principe, ça vous permet quand même d'avoir une auto-évaluation et de grandir sur un moyen terme, en fait. Donc, quels sont ces principes? Là, je suis perdue, je crois, Maria, c'est à toi de faire les premiers, ou moi, je ne sais plus. C'est pas grave, je voulais juste rebondir justement sur ce que tu disais, Virginie, pour compléter et répondre à ta question, Claire, qui est effectivement l'initiative de notre démarche. À l'origine de notre démarche, il y a ce constat qui est fait par les spécialistes du sujet, des experts en sustainability, en ISR, tous ces domaines finalement connexes mais qui nous rassemblent. Ce constat que finalement, on ne va pas assez vite, y compris pour l'atteinte des objectifs de développement durable fixés à horizon 2030. On se dit que même avec ces KPIs, même avec ces standards qui sont très nombreux, probablement trop nombreux au demeurant, on n'y arrivera pas. Donc, nous, encore une fois, c'est toujours de remettre l'entreprise au cœur de ce dispositif et de se dire qu'au-delà de certains critères, c'est d'abord une question de gouvernance, et utiliser des principes qui soient compréhensibles par le grand public, ça peut aider à faire avancer les choses, en fait. Et voilà, et donc, on ne va pas entrer dans les détails de ces principes. On en a retenu 9 par le travail de co-création décrit par Virginie. Donc, on estime qu'à l'issue de ces mois de travail et ces consultations itératives, on a quelque chose qui est représentatif des attentes et des directions, des grandes orientations que les experts européens en développement durable souhaiteraient que les entreprises suivent. Voilà, j'espère que je suis assez claire. On aura, j'espère, le temps de répondre à des questions, mais c'est ça. Donc, ces principes, on va vous les lire rapidement, on ne va pas entrer dans le détail, mais ce sont bien des principes transverses qui dépassent les silos ESG. Nous, on a d'ailleurs ajouté une dimension qui est celle du digital, et qui sont des principes de gouvernance, quitte ensuite à ce que les entreprises appliquent leurs propres standards ou voient quels sont les critères ESG qu'elles peuvent utiliser pour les rendre opérationnels. Ce sera une autre étape, on va en parler juste après. Mais voilà, je vous lis rapidement donc, les 3 premiers principes. Le premier principe qui est celui de l'équité, du respect et de l'inclusion. Et nous les avons écrits à la première personne du pluriel. Nous sommes mis à la place des entreprises. Donc, ce serait un principe adopté par une entreprise engagée qui dirait nous dirigeons, gérons, manageons, organisons notre entreprise sur les principes d'équité, de respect, d'inclusion au bénéfice de la société. Et on voit tout de suite que ça peut s'appliquer en interne comme en externe avec l'ensemble des parties prenantes.
L'exemplarité, on en parle beaucoup et ça a été un sujet qui est remonté, vraiment très important. Nous développons l'autonomie des individus, nous en tant qu'entreprise, que ce soit encore une fois en interne ou indirectement, et nous dirigeons ou manageons par exemple à tous les niveaux, que ce soit un comité exécutif, middle management, vis-à-vis nos fournisseurs, toutes les équipes. La vie privée est reconnue comme un droit humain. C'est la notion de privacy qui est apparue très, très fréquemment aussi dans nos discussions, notamment autour de la question des données. Et voilà, nous avons édité un principe qui dit « nous reconnaissons les individus comme les propriétaires de leurs données ». Ça, ce serait un droit fondamental, et la vie privée comme un droit humain. Donc, quand on pousse la logique de ce principe, on peut aller très loin dans la responsabilité des entreprises vis-à-vis à la fois de leurs clients, de leurs salariés, bien sûr, et aussi des parties tierces. Je te repasse la parole, Virginie, peut-être pour les suivants. Oui, on continue pour que vous endormiez pas. Les trois principes qui suivent sont une utilisation éthique des technologies. Et là, on parle beaucoup d'algorithmes. Il y a eu des conversations très... très intense sur le rôle de l'éthique dans le domaine technologique, pas seulement des algorithmes, mais toutes les technologies. Le principe lit « nous rendons possible et développons la supervision humaine pour une utilisation et une application inclusive, transparente et éthique des technologies, des données et de la connaissance ». Beaucoup de mots très important en une phrase. Le principe qui suit est une bonne gouvernance pour rétablir la confiance. En réalité, il pourrait être un des premiers principes. Nous recherchons l'amélioration continue et établissons la confiance en mesurant, en auditant et en partageant nos intentions, nos actions et notre impact de manière transparente et régulière. Donc, ce principe va un tout petit peu au-delà de la compliance actuelle, mais c'est grosso modo ce qu'une bonne entreprise devrait faire. Correction de tout impact négatif. Là, il y a eu des conversations très intenses, très, très animées sur le thème de, doit-on corriger un impact négatif? Doit-on se limiter à « do no harm », nous travaillons en anglais, donc nous ne créons pas d'impact négatif, ou est-ce que l'on doit en réalité parler de régénération? Là, on parle d'action corrective, donc c'est plus important que faire en sorte qu'on ne va pas créer de soucis. Nous nous engageons à réaliser des actions correctives en collaboration avec nos pairs et parties prenantes de manière générale pour tout impact négatif causé dans notre chaîne de valeur. C'est la prise en compte des chaînes de production et des chaînes de valeur. Les trois derniers, c'est Maria. Oui, contribution positive pour la société. Nous sommes redevables de contributions positives vis-à-vis des sociétés dans lesquelles nous opérons par nos modèles économiques. Par ce principe, on veut faire comprendre que la recherche de la valeur ou la création de valeur, elle s'inscrit dans des business models eux-mêmes et dans leur application. Ce n'est plus seulement des questions on fait du mécénat ou on crée des fondations en parallèle, on inscrit cette recherche d'impact positif dans nos business models. La notion d'amélioration systémique, c'est la réflexion qu'on a eue autour du systemic change, ou est-ce que c'est tout un changement de paradigme qu'il faut. On a préféré la notion plus progressive d'amélioration systémique. Il y a bien cette idée qu'il faut aller vers des modèles différents. Quand on dit « nous luttons par des améliorations systémiques pour la circularité et la régénération dans les limites planétaires », là, ça, c'est un principe assez ambitieux qui
cherche à sortir des modèles économiques linéaires ambiants actuels plutôt pour aller vers l'économie circulaire, la régénération, comme le mentionnait Virginie à l'instant, donc des concepts beaucoup plus ambitieux. Et la notion de contrat social, nous avons pour objectif de mettre en œuvre un contrat social inclusif et global qui améliore la vie des individus et des communautés localement et au-delà. C'est de la traduction de l'anglais, comme l'a dit Virginie, on travaille en anglais. Donc, il y a beaucoup de sémantique, mais chaque mot a été posé. Et donc, on a derrière cette notion de contrat social, on se dit, et on l'a développé dans le rapport qu'a mentionné Claire au début, qui était accessible sur notre site internet. Pour nous, il y a bien un enjeu de redéfinition du contrat social dans lequel l'entreprise a un rôle beaucoup plus important, des droits et des devoirs vis-à-vis de ses parties prenantes, pour justement qu'elle soit reconnue comme un acteur avec un impact positif vis-à-vis de la société, de l'environnement et des différentes parties prenantes. Voilà pour nos 9 principes. On peut passer peut-être à la conclusion. Voilà. Oui, là, rapidement, Claire, merci. C'est une des questions que l'on entend assez souvent, c'est comme ces principes mis en œuvre tout ensemble, en fait, sont immenses, correspondent à la totalité de ce qu'il faudrait faire, le bien, le mal, etc. En fait, il n'y a pas d'ordre précis. Le seul ordre qui a été réclamé par les participants était le premier et le dernier. Donc, ils voulaient commencer par des principes d'équité, d'inclusion, de respect et terminer par un contrat social. Le reste n'a aucun ordre. Mais d'une façon générale, aucune entreprise ne peut faire tout ça dans l'ordre. Et donc, nous avons comme une sorte de donut, si vous voulez, d'abord en relation avec la donut economy. Et nous travaillons actuellement sur un outil d'auto-évaluation, comme je vous l'ai dit, pour revenir. Et alors, comment allons-nous utiliser ces principes? Nous allons les utiliser en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire en faisant des labs sectoriels. Le prochain est donc dans le domaine pharmaceutique. Et nous cherchons en fait des partenaires pour approfondir nos recherches sectorielles, pour développer également des modules de formation sur la valeur commune des entreprises. Je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour toute question. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Ou alors moi je vais... Vous pouvez poser vos questions soit en direct en vous enlevant le mute, soit en écrivant dans la conversation ou dans le Q&A. Je vais quand même une petite précision sur pourquoi est-ce que cette approche nous parle et est proche de nos principes d'investissement. D'abord sur le constat. En fait, on s'est rencontrés au moment où on commençait à écrire le livre blanc sur l'ISR et la satisfaction client, et on est parti du même constat où il y avait une forte défiance, cette fois de la part des clients envers les entreprises. C'était en 2017 et ça n'a fait que s'accentuer. On le voit enquête après enquête, les consommateurs et les clients sont très sceptiques sur cela, et il y a réellement une défiance qui est forte. Et les entreprises, pour satisfaire leurs clients, doivent nouer un lien de confiance avec leurs clients. Et ce lien de confiance passe par le fait de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, d'être responsable, et donc, in fine, d'avoir un impact positif sur quelque chose de plus large. Et qu'on a, effectivement, on a repris ce terme, nous, dans nos reporting extra-financiers et dans la performance ESG qu'on cherche à avoir dans nos fonds, sur la valeur commune créé pour l'ensemble de la société et l'environnement. Donc voilà ce lien. Je vois qu'il y a déjà des questions. Donc pensez-vous que les entreprises accélèrent leur transformation? Et si oui, sur quel sujet en particulier? Je crois que c'est une question que Philippe Cormont nous a posée. En fait, oui, il y a eu un grand changement de ton
au niveau global que l'on a entendu, pas seulement en conséquence du virus Covid, mais aussi les désastres écologiques qu'on a vus un peu partout, une immense vague de pauvreté. On a entendu beaucoup de jeunes, surtout le vendredi. Tout ça s'entend. Et c'est ce que Claire vient de dire, en fait, il arrive un moment où le paradigme entreprise-consommateur change. Il y a des attentes de la part du public qui vont au-delà d'une attente purement consommatrice telle qu'on avait l'habitude de le voir. On a bien vu certaines entreprises qui sont devenues des entreprises à mission. Alors, je comprends bien que nous nous adressons à un nombre encore faible, peut-être trop faible, des entreprises qui ont commencé une transformation en profondeur. Mais je crois que face à l'immensité du travail, il y a souvent besoin d'aide dans la feuille de route, en fait. Hein. Quelles sont les attentes? Il faut pouvoir, pas forcément canaliser, parce que par définition, dès que vous canalisez une attente, vous êtes un tout petit peu moins démocratique que précisément le public, mais décrypter régulièrement, offrir un schéma de réflexion aux entreprises et travailler en commun, travailler ensemble en acceptant justement les difficultés, les obstacles avec un peu d'humilité, en se disant oui, il s'agit de transformer, c'est une question de survie du monde privé pour être plus en phase avec l'environnement et plus en phase avec la société. Je crois que ceux qui continuent d'ignorer la société et l'environnement ne sont pas vraiment viables. Mais ça, les clients de Trust Team en sont persuadés. Donc, on prêche des convertis. La question pour tous les convertis, c'est mais comment? Et comment faire mieux? Comment se transformer? Moi, vas-y. Justement, à la question de Philippe, j'avais envie d'ajouter ou de compléter les propos de Virginie et nos réflexions par le constat qu'on observe quand même que la question de la transformation, elle se pose probablement davantage pour les entreprises qui ont une legacy, une histoire. Parce que clairement, beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie intègrent déjà cette dimension de bien commun et de contribution positive, d'impact positif pour la société et l'environnement. Et donc, on a le business model canvas, cette grille à laquelle on se réfère pour développer ou concevoir un business model, qui dans beaucoup de startups aujourd'hui intègrent une dimension société, intègrent une dimension environnement, enfin un impact, en quoi mon business model va impacter positivement la société et l'environnement. En revanche, effectivement, pour les entreprises qui ont une histoire, un passé, là, la question de la transformation, elle se pose, et très clairement, la crise Covid-19, elle va servir aussi de test, pour nous montrer quelles sont les entreprises qui ont vraiment envie de s'engager, qui comprennent que la transformation, c'est ici et maintenant, avec cette dimension durabilité, et les entreprises qui vont avoir une logique plus court-termiste. Donc, on sera évidemment observateur. Et encore une fois, si on peut accompagner ces entreprises, ou les entreprises qui ont compris que bien commun et profit sont conciliables, on sera satisfait. Du coup, question complémentaire, comment analysez-vous la mission des entreprises et s'il y a une mission affichée par l'entreprise semblant vertueuse et des actes qui ne vont pas dans le même sens, comment faire? Alors, le greenwashing n'est pas nouveau et c'est vrai que on voit une augmentation du greenwashing ces derniers temps. Là, je dirais que
les entreprises qui se prêtent à ce genre de choses sont sur une pente un petit peu suicidaire. C'est toujours compliqué de sous-estimer le public, en fait. Ça peut fonctionner sur un temps très court, mais je crois qu'il faut faire de plus en plus confiance aux journalistes pour révéler la réalité derrière le greenwashing. Alors, on ne va pas aller trop loin, mais le journalisme d'investigation, donc je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je viens du milieu anticorruption. Il y a 25 ans maintenant, lorsque Peter Hagen a créé Transparency International, certains d'entre vous peut-être s'en souviennent encore, vous pouviez déduire de vos impôts tout pot de vin. C'était totalement accepté, il n'y avait aucun problème. Et donc, lorsqu'il a créé Transparency International, tout le monde se demandait quel fou il pouvait être alors que les pots de vin étaient tout à fait acceptables, étaient communs. Pour la valeur commune, il en va de la sorte. Vous avez vu que les journalistes d'investigation se sont emparés du thème de la corruption et puis ils sont sortis des scandales absolument phénoménaux. Aujourd'hui, ça semble absolument irréel d'avouer que le pot de vin peut être un moteur de gestion d'entreprise. Nous pensons, en tout cas c'est notre rôle en tant que ONG, nous sommes des convertis, nous pensons que tout ce qui est valeur commune va prendre la place en fait de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption fait partie de ces 9 principes. Donc, ça signifie que même si on ne leur demande pas, moi j'ai confiance dans le journalisme d'investigation qui va nous sortir des grands sujet de greenwashing, et je pense qu'il est toujours préférable en tant qu'attitude de dire ben voilà les difficultés, voilà où nous en sommes, voilà le baseline que nous avons créé grâce à ces nouveaux outils, et nous allons grandir ensemble avec les communautés que nous impactons et avec les communautés qui sont impactées alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et simplement agrandir le champ, l'écosystème dans lequel nous fonctionnons. Alors, ça peut sembler un peu utopique aujourd'hui. On peut en reparler l'année prochaine, on peut en reparler dans 2 ans. Nous sommes persuadés que c'est une voie qui va continuer. Peut-être sur la mission, en fait. La mission, si je comprends bien, c'est le principe 7, c'est sur les contributions positives pour la société qui doivent être intégrées dans le modèle économique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté, on va dire, des lignes de bonne conduite pour être responsable et de l'autre côté, le business. Non, ça va ensemble, ça doit être intégré dans les modèles économiques. Et là, bon, je prêche pour ma paroisse, mais ce lien avec le client est essentiel. Parce que c'est bien par le client que les entreprises vont à la fois créer de la valeur, évidemment, économique, financière, mais de l'autre côté, elles vont pouvoir aussi valider le fait que ce qu'elles veulent créer comme valeur commune tient bien la route, est bien viable sur le long terme, qu'il faut que ce soit viable économiquement, et donc qu'il y ait bien les deux côtés de ce modèle. C'est ça, on parle bien de dialogue, et d'écoute, et non plus de communication à une voix seulement. Alors, sur la question de la mission, je pense que il y a une... Alors, sans le dire, le législateur en France, il est en train de s'aligner avec cette attente du client que tu exprimes, Claire. Si je me réfère à la loi PACTE, là, clairement, le fait de changer des articles du Code civil pour à la fois inscrire l'intérêt social de l'entreprise et le respect des enjeux, l'intégration d'enjeux environnementaux, sociétaux dans cet intérêt social, pour moi, c'est vraiment une marque d'explicitation que la mission de l'entreprise, elle est bien de créer de la valeur commune.
Et si on va plus loin aussi dans cette loi PACTE, la possibilité qui est donnée aux entreprises d'inscrire leur raison d'être dans leur statut, sans aller forcément au stade d'entreprise à mission. Mais c'est bien cette idée qu'il faut qu'il y ait une convergence vertueuse entre tous les intérêts et que l'entreprise, elle est là pour intégrer tous ces enjeux. Donc ça peut être ça, sa mission. Ça n'est pas dit comme ça par le législateur, mais pour moi, c'est tout à fait convergent à la fois avec les attentes exprimées par une grande partie de la société, un public qui est de moins en moins tolérant au greenwashing, attention à l'effet boomerang, de moins en moins tolérant aux questions de la corruption, de moins en moins tolérant aux injustices, on n'en a pas parlé, mais à l'inéquité, ou à l'absence d'éthique aussi. Justement, le législateur fait ce travail de formalisation des attentes. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment dans une vraie tendance, enfin, on le sait, dans une tendance de fond, enfin, nous on en est convaincus, même si parce qu'il y a crise ou parce qu'il y a encore des leaders qui ne sont pas, ne sont pas complètement convaincus de ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, on peut aller chercher aussi pas mal d'arguments économiques. Il y a quand même des études qui sont faites, ça vaut la peine de les utiliser, d'utiliser leurs résultats, et qui démontrent que à business model égal ou à paramètres égaux, la performance économique, elle est supérieure de 13% entre une entreprise qui adopte une démarche RSE et une entreprise qui n'en adopte pas. C'est une étude de France Stratégie de 2016, je pourrais vous envoyer le lien, voilà, sur 8500 sociétés en France, qui donne quand même des éléments de preuve assez, assez intéressants, si on a besoin encore d'aller chercher des éléments économiques. Mais on comprend, voilà, que tout ça, c'est une tendance de fond, mais qu'il faut continuer vraiment à la promouvoir, à expliquer voilà, toutes ces dimensions, je crois. Il y a quand même un autre point que je trouve intéressant, c'est que oui, cette démarche est exigeante, mais en tant que gestionnaire d'actifs et en tant qu'investisseur, notre rôle, c'est d'élire des sociétés, enfin, des différentes façons, des différentes stratégies d'investissement, mais c'est vrai que j'ai trustim en tant que stock picker. Le principe, c'est qu'on essaye d'élire des sociétés et donc de croire dans les sociétés dans lesquelles on investit. Et donc, de travailler sur ces principes qui sont exigeants et qui... Et aussi quelque chose de vertueux pour nous, pour nous obliger à confronter en permanence ce qu'elles nous disent, la communication avec la réalité, essayer dans ce greenwashing, d'aller contre le greenwashing, d'aller toujours regarder au plus près de ce qui se passe et de la valeur qui est créée, et d'où notre démarche, d'aller demander aux clients ce qu'ils pensent et s'ils sont satisfaits ou non, par rapport à simplement aller regarder ce qui est poussé par les entreprises dans les rapports annuels et essayer de faire avancer les choses. Il y avait une toute dernière question. Il y a encore une autre question. Est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer la transparence nécessaire? Et aussi, il y avait une autre question qui était apparue sur le fait que on parlait des journalistes d'investigation en tant que partie prenante intéressante pour aller titiller les entreprises, mais ils ont aussi une mauvaise presse auprès des entreprises et ont du mal à faire leur métier, ils ne sont pas forcément soutenus. Donc, comment faire pour que les entreprises... J'ai répondu, alors moi aussi je me mélange entre le question-réponse et le chat, désolée. Sur les journalistes d'investigation, le fait qu'ils aient du mal à aborder les entreprises, ça ne nous concerne pas tellement en fait, c'est leur problème. Nous ne sommes pas journalistes et on l'a dit, on veut travailler en collaboration avec les entreprises. En revanche, on ne sous-estime pas le pouvoir qu'ont les journalistes d'investigation. Ils ont des moyens, des technologies qui leur permettent de travailler avec des données gigantesques. Ils peuvent faire du fact-checking, d'ailleurs c'est ce qu'ils font s'ils sont bons journalistes. Ils vont vérifier la réalité tout le long des chaînes de production. Je pense qu'ils sont un levier des réputations, de bonnes réputations ou de mauvaises réputations. Et c'est la raison pour laquelle
je ne sous-estimerai pas le pouvoir des journalistes d'investigation, même s'ils ont du mal à obtenir des informations directement des entreprises, d'une part. D'autre part, l'éthique journalistique fait que lorsqu'ils ont des facilités à obtenir des informations des entreprises, ils les citent, et ils les citent en bien. Donc, en fait, c'est une décision d'entreprise et de communication stratégique de décider si l'on veut ou pas travailler avec des journalistes d'investigation. Notre recommandation est en fait d'adopter le plus possible les difficultés et de dire ben voilà où nous en sommes en fait, hein, d'utiliser une position un peu humble en disant oui, on a compris, on a besoin de se transformer, d'ailleurs on se transforme de telle et telle façon, mais là sont les obstacles et nous allons travailler avec les communautés. Ça suffit, je crois que le public comprend très très bien qu'il y a des difficultés et qu'on ne peut pas changer de monde du jour au lendemain. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais loin de nous l'idée de dire attention, il y a des journalistes d'investigation et vous êtes en danger, mais ça existe, ils existent, ils sont là, et on ne les enlèvera pas de notre environnement, ils resteront là. Et sur aider à les entreprises à avoir plus de transparence, les entreprises sont-elles prêtes à jouer la transparence nécessaire? C'est tout ça, sur la transparence, c'est pareil, c'est la même histoire que celle des pots de vin qui étaient acceptables il y a 25 ans. La notion même de transparence évolue avec la société et avec les attentes de la société. Donc, ce que l'on attendait il y a 10 ans, lorsque la transparence était le mot-clé pour toutes les entreprises, est différent de ce que l'on attend aujourd'hui. Et le public en attend toujours plus. Voilà. Donc, est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer le jeu de la transparence? Je dirais que c'est un des premiers leviers de transformation de l'entreprise. Laisse-je peut-être témoigner aussi en tant qu'investisseur dans nos actions d'engagement. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, effectivement, certaines, c'est pas forcément les entreprises qu'on aurait pensé vouloir avancer de plus vite ou qu'on aurait pensé être des bonnes élèves qui vont aller le plus dans cette voie parfois, mais c'est celles qui veulent se mettre en mouvement, effectivement, et qui ont compris que ce mouvement, c'était une démarche, c'était une aventure où elles avaient tout à gagner à être positives. Et dans les démarches d'engagement qu'on a, c'est celles qui vont privilégier le dialogue, qui vont petit à petit se fixer des objectifs qui sont ambitieux, dégringoler dans l'ensemble des divisions pour pouvoir rendre concrètes des engagements un peu long terme. Bon, je pense en particulier au net zéro, fait d'afficher la neutralité carbone en 2050, par exemple. C'est un objectif qui met en mouvement, qui va dans cette logique d'apporter une contribution positive à l'ensemble de la société. Par contre, on ne sait pas comment on va y aller. Donc, on a fixé l'objectif et ils vont travailler ensemble avec l'ensemble des collaborateurs, des parties prenantes pour y arriver. Mais ça, j'aimerais répondre à Guy Guérin qui nous demande si on préfère faire des listes noires ou blanches ou pointer le progrès. En réalité, c'est la seconde version. Nous, c'est une décision que nous avons prise au départ avec, comme vous pouvez l'imaginer, un vrai débat puisqu'on était moitié secteur privé, moitié ONG, donc les ONG voulaient pointer du doigt et les secteurs privés pas du tout. Donc il a d'abord fallu qu'on s'entende et qu'on trouve un terrain d'entente au sein de Your Public Value avant de pouvoir le projeter. Donc nous connaissons très très bien ce débat pour l'avoir adopté nous-mêmes, et en réalité, précisément parce que les entreprises ont tendance à se fermer et qu'il y a un besoin de compréhension de pourquoi est-ce qu'il faut aller plus, il faut s'ouvrir vers les attentes du public, nous avons décidé de laisser tomber les listes noires, mais je vous garantis que les journalistes d'investigation vont le faire, et de fonctionner, d'utiliser cette dimension qui n'est pas encore utilisée, où
nous faisons le lien, nous espérons, entre la société civile, entre le public, les besoins environnementaux et l'entreprise. Et en connaissant, c'est ce que vient de dire Claire, le mouvement, c'est très important, en comprenant les obstacles et en les définissant. Donc, en réalité, l'acte numéro un d'une transformation qui fonctionne avec la transparence et avec la transformation, c'est d'accepter l'impact, de reconnaître l'impact négatif que notre entreprise peut avoir sur des parties prenantes qui n'ont jamais voulu être impactées. Une fois que vous avez réfléchi sur ce qu'on appelle les parties prenantes invisibles, en fait, hein, les gilets jaunes de votre entreprise, lorsque vous avez une réflexion interne sur ces parties prenantes impactées négativement, vous pouvez commencer à vous transformer, en fait. Et là, c'est un acte de transparence vis-à-vis de vous-même. Et on ne vous demande pas de l'afficher tout de suite sur votre website, mais toutes les décisions stratégiques qui vont être prises vont intégrer ces parties prenantes et donc vont créer un impact positif sur la société. Et peut-être un mot sur... parce qu'il y a des questions pour demander à être plus précis, oui. Pour avoir des exemples précis. Mais je pense que ça va aussi avec le quelque chose de derrière, c'est-à-dire que quand avec la logique sous-jacente des ONG et ce que tu mentionnes, c'est-à-dire le fait que pour pouvoir bien dialoguer, il y a aussi des règles de confidentialité ou de respect de la parole pour pouvoir avoir un espace de dialogue dans lequel on se sente en sécurité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que... Exactement, et puis... Mais l'exemple précis est important quand même. Ben, l'exemple précis, je crois que si je vous parle des gilets jaunes des entreprises, vous allez pouvoir avoir une image précise qui correspond à votre entreprise et qui correspond à ce que vous... Je n'ai pas besoin de le savoir parce qu'à ce moment-là, je tombe dans la liste noire. Donc, notre marge de manœuvre est extrêmement étroite. Il faut que j'avoue que nous avions fait un rapport la première année et que nous n'avons jamais publié, un rapport sur les exemples positifs des entreprises. Et donc, on avait 25 entreprises et on avait étudié en utilisant les sources ouvertes, hein, leur website, on avait étudié leurs objectifs, ce qu'ils avaient accompli, le changement, etc. Et puis, comme on voulait travailler sur l'idée que travailler pour le bien commun rapporte du profit, on avait également travaillé sur leur compte rendu financier. Et là, ça ne fonctionnait plus. Donc, si je vous donne l'exemple précis des difficultés de Your Public Value, par exemple, c'est de dire que oui, nous sommes persuadés que le bien commun ou la valeur commune va pouvoir remporter de l'argent, ça va fonctionner à long terme, mais pas à court terme. À court terme, on a vu un certain nombre d'investissements, des sociétés qui sont en transformation, et pour être encore plus honnête, et là... j'espère que Maria ne va pas me taper sur les doigts, mais pour être encore plus honnête, les meilleures sociétés, les sociétés qui font le plus de transformation, en tout cas il y a 2 ans, étaient celles qui se relevaient d'un scandale médiatique dans un domaine ou un autre. Donc si vous aviez un scandale médiatique et qu'il fallait changer, là vous commenciez une transformation en profondeur et avec des investissements envers la société et l'environnement. Vous aviez un compte-rendu parfait du point de vue valeur commune, mais les investissements ne payaient pas encore. Donc, à court terme, on n'a pas l'algorithme immédiat. C'est pour ça qu'on conseille un changement régulier avant l'impact médiatique, avant la crise, pour l'éviter et pour se maintenir parmi les plus performants. Mais voilà, pour juste par rapport à ça, c'est pour ça que dans il y a une différence entre vouloir se transformer, être conscient qu'il faut se transformer et pourquoi est-ce qu'on veut se transformer, c'est souvent parce qu'effectivement il y a eu un moment de crise à un instant précis ou une mauvaise perception. Alors là, je parlais d'un point de vue boursier, de la part des investisseurs.
Et donc, la volonté va être d'autant plus forte de vouloir, de vouloir changer et de vouloir aller dans ce changement que finalement, la perception est très bonne, enfin, est très mauvaise, pardon. Et qu'il y a conscience qu'il va falloir changer. Mais c'est dans des logiques de transformation qui sont assez fortes. Et pour compléter, pour donner par exemple, un exemple précis dont moi je peux parler en tant qu'investisseur, je parlais, pour revenir sur l'exemple de l'engagement, effectivement, la société avec laquelle nos actions d'engagement sont les plus abouties, alors je vais juste parler des deux sociétés où on fait l'engagement pour le Climate Action Land Impulse, qui sont Saint-Gobain et Air Liquide. C'est public, c'est en tous nos reportings, donc je peux en parler et je pense que ça sera assez très clair. En fait, au départ, on pense que c'est Saint-Gobain qui est la plus avancée par rapport à cette démarche-là et on n'aurait pas pensé que c'était elle du tout. Au départ, parce qu'il y a 3 ans, on s'est engagé dans ce chemin, eh bien oui, c'était une société en transformation qui était et qui avait besoin de elle-même changer et qui avait besoin de faire de montrer ce changement aux autres parties prenantes, en particulier aux investisseurs. Donc, il y a eu cette volonté de dialogue qui était beaucoup plus forte parce qu'ils étaient dans l'écoute aussi. Des autres parties prenantes, des investisseurs, des différentes possibilités. Alors qu'une entreprise qui est déjà leader comme Air Liquide, qui se perçoit comme telle, peut être à certains moments plus fermée sur la façon d'évoluer, puisqu'elle sait exactement où elle veut aller et va pouvoir et sera peut-être moins ouverte à certaines demandes de la part d'autres parties prenantes. Et c'est là où il faut qu'il fasse attention. Et ça va avec une autre question qu'il y a sur la stratégie de communication, comment elle vise le point des entreprises, comment les aider à évoluer. Bien oui, il y a une entreprise qui va être dans l'écoute, qui va vouloir entrer dans ce dialogue qui fait partie de la définition de ce que veut faire Your Public Value. C'est une attitude qui est différente d'une attitude où on pense savoir. Et sur ça aussi, c'est assez proche de ce que nous, on va regarder dans la culture des entreprises. Alors, peut-être qu'à certains moments, finalement, moi, je ne suis pas aussi négative sur le lien entre performance extra-financière et performance financière, évidemment, parce que nous, dans les exemples qu'on a vus, on a vu beaucoup d'exemples positifs où des entreprises avaient mis en place ce type de démarche. Mais c'était effectivement beaucoup plus en natif, comme ce que disait Maria au départ, que dans une logique de transformation. Oui. Toujours le problème entre legacy et en natif. Et notre travail à nous en tant qu'investisseurs, c'est effectivement de détecter ces entreprises où dans leur culture, c'est déjà bien ancré. Donc ça, c'est notre première poche, c'est nos leaders. Et après, on va travailler aussi avec celles qui sont en transformation. Mais c'est un autre type de travail et c'est un autre type d'investissement. Et donc, en tant qu'investisseur, ça veut dire qu'il faut faire attention au moment où on va investir pour que, pour nos propres clients, ça puisse dégager de la valeur financière. Et c'est comme ça que nous, en tant que gérant d'actifs, on va pouvoir travailler aussi avec ces différentes typologies de sociétés, celles qui sont déjà leaders, qui ont la culture qui est intégrée, qui ne font peut-être pas l'afficher comme telle, donc on va plus être dans une action de communication avec elles, ou celles qui sont en réelle transformation. Donc, il va falloir faire attention parce que s'il y a crise, ça veut dire qu'il y a effectivement un passif. Donc, où les risques, certains types de risques sont plus importants. Donc, en termes de valorisation et de typologie d'investissement, ça va être différent. Donc, à nous de savoir. Oui, Claire, pour répondre, là, je vois maintenant les questions de Florence, Marine et Guy. Donc, rapidement, pour revenir sur la stratégie de communication pour être visible auprès des entreprises et en même temps offrir des exemples précis des entreprises positives. Nous commençons à partir de 2021, en espérant qu'on trouvera les financements nécessaires, des labs sectoriels. Donc, on veut commencer par le domaine de la santé. Et donc là, nous allons travailler sur la prévention, sur sur un certain nombre d'approches dans le domaine pharmaceutique et médical, et nous allons montrer à chaque fois les exemples positifs dans un domaine particulier. Donc, nous allons offrir
une plateforme en fait pour les entreprises positives et nous allons également co-créer une feuille de route qui va pouvoir expliquer à un certain nombre d'entreprises ce que nous pensons tous en co-création être le mieux pour la mise en place de ces principes dans un domaine particulier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on peut essayer de monter un lab dans votre domaine. On n'est pas des spécialistes, on est des spécialistes dans la co-création, mais pas ni pharmaceutique, ni construction. Ni... Donc en fait, on aura besoin de vous si vous le souhaitez. En ce qui concerne le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, oui, on est complètement alignés. Ça fait partie de ces 10% des experts qui fonctionnent de la même façon. Lui, il a sa méthode, on a la nôtre, mais il y a aussi un autre Français très intéressant sur la circularité qui s'appelle Alexandre Lemille. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Il habite Lille, il fait beaucoup de choses sur l'Afrique et la France. Il a commencé à travailler sur la circularité, puis maintenant il appelle ça circularité 2.0. Et en fait, il rajoute le domaine social. En fait, il fait de la valeur commune avec un autre mot. Et il nous donne souvent des entretiens et on travaille en collaboration. Là, plus on est de fous et mieux c'est. Hein. On est quand même très minoritaire au niveau mondial, donc on n'est pas du tout dans une logique de compétition. Je vois l'heure qui tourne. Oui. Ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble et c'était un vrai plaisir. Je vais me permettre de conclure sur cette note d'enthousiasme. Et puisque tu as parlé des enthousiastes, effectivement, on tient beaucoup au fait qu'il y ait environ 10% toujours d'enthousiastes dont vous faites partie, dont nous faisons partie, dont j'espère aussi vous faites aussi partie. Et c'est pourquoi nous avons monté le Club Trusteam ISR auquel nous tenons. Et donc, je vous invite à contacter, que ce soit Philippe, Alban, Marine, enfin moi-même, si vous voulez faire partie de ce Club Trusteam ISR qui rassemble les 10% enthousiastes qui veulent eh bien, faire évoluer les sociétés, rendre aussi cette démarche plus visible, et construire ensemble une partie de cette valeur commune. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci. Merci Maria, merci Virginie. Merci à tous. Et merci à tous les participants. Merci de votre écoute. Je me permets, moi, de rebondir sur la dernière question de Guy Paillon. Dans cette démarche de transformation des entreprises, la satisfaction client ne devient-elle pas un indicateur clé? Ben, on en est persuadé, on a parlé de transparence, on a parlé d'exigence de transparence et on est convaincu que le client, oui, est un lobbyiste très convaincant qui peut faire pression sur les entreprises pour qu'elles bougent. Ça, on est complètement en phase avec la démarche de Trusteam. Donc, merci de votre invitation, Claire, et toute l'équipe de Trusteam encore une fois.